C'était une montée des marches particulièrement attendue. Ce samedi 20 mai, Martin Scorsese présentait son nouveau film Killers of the Flower Moon hors compétition au Festival de Cannes. Un long métrage pour lequel il a dirigé Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, notamment. Les deux comédiens et leur réalisateur étaient donc présents sur la croisette, ravissant les spectateurs du monde entier. D'autant que le cinéaste n'était pas revenu à Cannes depuis 1986. Alors, forcément, ils étaient nombreux à vouloir assister à cette projection. Si est-il le cas par exemple de Robbie Williams? Avant sa montée des marches, le chanteur a accepté de répondre aux questions de Louise Eklane de pour France Info. S'il a fait le déplacement jusqu'à Cannes, ce n'est pas uniquement pour visionner en avant-première le film de Martin Scorsese. Robbie Williams a également été convié pour dévoiler un film sur sa propre carrière. Si est-il un rêve narcissique pour moi d'en parler? Si est-il mon histoire? L'histoire de mes fils, de ma vie. Et ça a été réalisé par l'homme qui a réalisé The Greatest Showman, a-t-il expliqué à la journaliste de France Télévisions. Celle-ci a donc souhaité savoir comment lui et Michael Gracie s'étaient rencontrés. Robbie Williams, présent sur Grindr? Réponse de l'intéressé. Sur Grindr, si est-il une application de rencontre? Rétorque avec humour Robbie Williams, ne précisant pas qu'il s'agit d'une application pour gays. Une révélation qui risque de surprendre sa femme, Aida Field, avec laquelle il a eu un quatrième enfant en février 2020. Plus sérieusement, le cinéaste australien a expliqué que Robbie Williams l'avait épaulé sur The Greatest Showman. Il a écouté la musique avant que le film soit présenté et il a donné un message très important à Hugh Jackman qui l'a beaucoup aidé, a-t-il confié, tandis que Robbie Williams a préféré couper court à sa blague, précisant qu'il allait s'empresser de rejoindre sa femme après cette montée des marches. Mon plan, si est-il de monter les marches, d'être magnifique et ensuite de retourner voir ma femme, a-t-il conclu dans un sourire.